Eh bien salut à tous la team Zen, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo défi les gars. Aujourd'hui on va parler des défis bataille au crépuscule et cette journée marque une nouvelle arrivée de défi. Ce défi aujourd'hui consiste à infliger des dégâts aux ravitaillements qui sont en descente, donc qui sont dans le ciel et qui tombent, et pas ceux qui sont déjà au sol. Alors je vais vous montrer vraiment en quoi ça consiste pour ceux qui n'ont pas compris, donc je vous retrouve dans le game. Donc voilà les gars, on se retrouve sur la carte de Battle Royale. Alors ce qui va se passer, c'est que je vais vous conseiller quand même de prendre des armes qui tirent à distance, donc longue distance, c'est-à-dire AR minimum, snipe, là j'ai un tambour donc ça fera l'affaire. Et vous allez attendre le moment, par exemple en foire d'empoigne, c'est à la quatrième minute que vous pouvez voir en haut de la tempête, que les premiers ravitaillements vont tomber. Ensuite vous allez devoir les guetter, donc par exemple là il y en a un qui va tomber sur la carte, de toute façon vous les voyez, c'est les caisses bleues. Et ensuite vous allez vous rapprocher, puisque si vous êtes trop loin vous n'allez pas pouvoir faire des dégâts. Alors ce qui va se passer, c'est que je vais monter un petit peu en hauteur comme ceci, hop, pour pouvoir essayer de le toucher le plus vite possible, parce que tout le monde va vouloir faire cette quête. Regardez, j'inflige des dégâts puisque il perd de la vie. Alors chaque ravitaillement possède normalement, si je ne me trompe pas, 750 de vie. Donc si vous en mettez un tout seul à terre, ça vous fera 750 de dégâts pour ce défi. Et regardez, il tombe tout simplement au sol. Pour valider votre défi, vous avez fait 750 de dégâts si vous êtes tout seul à tirer dessus, forcément, donc c'est assez simple. Et vous allez donc valider votre défi. Simplement, il faudra infliger 200 de dégâts, donc assez simple, puisque la vie, comme vous avez pu le voir, de ce ravitaillement est de 750. Donc même si vous êtes plusieurs à tirer dessus, vous pouvez jusqu'à 3 personnes valider au même temps votre défi. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. N'oubliez pas le like les gars, le code créateur Telmo-Lopez, mais surtout de rester zen. Les réseaux sociaux, l'abonnement, etc. en description. Je vous dis à tout à l'heure demain pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.